La musique me fait penser, puis l'environnement me fait penser à Layton. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. À professeur Layton. Là, il y a des chats avec des horloges. Ou c'est des lapins avec des horloges. Ou c'est rien de tout ça. Ça se peut aussi. Ok. Ça pour ça, nice. Pourquoi pas. Ouais, ça ressemble à être une espèce de lapin-chat. Je pensais que j'avais le temps de passer. J'aurais dû tendu de pendre mon temps. Si, si, il y a quelque chose. Ouais. On aime bien récolter des trucs qui sont cachés. Du moins, moi j'aime ça. Je sens que ça était tellement bon. Je sais que je passe sur complètement d'autres choses, mais de manger des brutos ce soir, ça était tellement bon. La vie d'une personne qui mange des burritos. Ouh. One Punch. Moi aussi j'aime bien la musique de chapitre à date. Ouais, on fait une espèce de ora 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 ora. Putain, faut vraiment se mettre plus proche. Ora 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 ora. On va se calmer pendant 2 secondes. Désolé de m'avoir énervé. Hein. Ça, on va enlever ça. La pôle horloge, c'est un lapin. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça te permet d'arrêter le temps en traversant des portails temporels. Ce costume aussi peut arrêter les ennemis. Ouh. Ok. On peut pas démolir plus celui-là, mais on peut démolir celui-là. Ok, donc en gros on peut figer le temps. Ah oui, ça fige complètement le temps au grand complet. Hein. On fait pas les choses à moitié, hein. C'est littéralement... Tu figes complètement tout au complet. Du coup, j'avais pas besoin de changer parce que je peux. J'arrête le temps avec les lapins. C'est un truc de l'autre côté. Il y a un œuf. Pas très très utile de savoir qu'il y a un œuf de l'autre côté quand je peux même pas le prendre. Hop. Ouais. Mais encore, qu'est-ce que je peux faire après en traversant ici? Pas grand-chose. Non, ça va pas vraiment grand-chose. Parce que je peux pas monter plus haut, ici. Pas très très utile. Rien d'autre à faire par ici. C'est sûrement des ennemis qui allaient apparaître. Mais bon, on peut les One Punch! Toi, tu vas me donner mon truc. Toi, tu vas me donner l'œuf. Merci. Pas trop une bonne chose de... Ah ça, il va falloir arrêter le temps. Quoi? Vous êtes en train de me dire que je peux pas arrêter le temps? Ah, c'est les oiseaux qui vont prendre le truc. Non mais attends, est-ce qu'il va sortir? Non mais... Sors! Sors! Merci. Ah, cool ça, les petits pit-pit qui vont chercher les trucs, quoi. J'ai des serviteurs, c'est quand même nice. Non? C'est bien, non? Non? Ouais? Ouais, c'est bien. Des poulets serviteurs? Ouais? Moi, je trouve ça bien. Personnellement, qui voudrait pas avoir des poulets serviteurs dans sa vie? Imaginez, vous voulez aller chercher quelque chose, genre, je sais pas, dans le frigo. Finalement, vous faites juste demander à votre poulet serviteur.
C'est la vie, non? Ça, c'est un autre. On va peut-être enlever l'engrenage. Féliflotte. Poulet serviteur, c'est pas une contrepéterie. Non, non, non. Vous pouvez marcher dans le vide et atteindre les ondes légèrement éloignées. Au bout d'un moment, ce costume... Ce costume, je sais pas quoi. J'adore à chaque fois que le texte me dit... Le texte fait genre, ouais, je suis en train de t'expliquer un truc, mais finalement, t'as pas besoin de savoir le reste. Okay, c'est quand même cool de marcher sur le... Oups. De marcher dans les arts, moi je trouve ça cool. What? Ok, il y avait deux moments différents. Ok, je comprends. Je comprenais pas au début la suite logique de comment que les choses se passaient, mais là je viens de comprendre. Ah ouais, c'était comme ça qu'il fallait chercher la statue. Pourquoi? Tellement pas utile de le faire de la façon que je pensais qu'il fallait qu'on le fasse. Ouais, je suis pas trop sûr d'aller là-bas. Fait qu'on va s'organiser d'une autre façon. Poup, poup, poup. C'est quand même cool de flotter dans les airs. Sérieux, life hack, hein. Ouais, j'avais pas vu, Jericho, que tu disais que c'était moins utile que les Pikmin. Oui, quand même, hein. Les Pikmin sont quand même plus efficaces parce qu'en même temps, ils peuvent faire certaines choses différentes, hein. Tandis que eux, bah. Font rien en particulier, hein. Allez, peut-être une dernière petite attaque de courgette. Bam! Et là, j'ai juste un trophée dans ce niveau. Ah! Ça fait mal quand même d'avoir juste un trophée. D'avoir une statuette plutôt, ça veut dire qu'il y en a tellement qui sont cachés un peu partout. Le choc arrête le temps, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec l'arrête le temps? Merci pour la clé. Ouais, je sais pas trop. On va faire les niveaux. S'il mange, j'avoue, les Pikmin ils mangent pas. Donc au final, les Pikmin sont nuls. Non, je pensais pas que ça marche comme ça. Bon, on va enfin savoir l'histoire. Moi, je vous dis, pronostic. Chat a brisé le miroir. La fille, elle est frustrée. Elle fait tout éclater. Oh... Ok. Non, pas encore, on n'a pas battu le boss. Donc elle appréciait bien son chat. Yashar! Mais t'es trop fort! Mais t'es trop fort! Littéralement, est-ce que c'est parce que t'as vu les feux de circulation, t'as pensé avec le chat et tout ça? Smart One! Je suis fier de toi, Yashar. Ah ouais, le chat, vite fait, il me fait penser au chat de Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est pas exactement pareil, mais il me fait penser à ça. Ok, ça c'est la courgette, donc il va falloir que je l'utilise d'une certaine façon. Merde, j'ai pas le temps de taper dessus. Ok, donc ça c'est une des façons.
Oui, c'est bien pour les feux. Ouais, bonne idée quand même d'avoir trouvé là-dessus. Ah oui, j'y avais pas pensé directement sur le coup. Ok, donc là il y a une des façons, c'est comme ça veut dire qu'il y a une autre des façons, c'est probablement... Ah merde, allez vite 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 vite. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon. Troisième façon... C'est peut-être de contrer son contretemps avec mon contretemps. Ouais, voilà. Donc là, on va avoir les trois trophées. Ce chat a trop mangé, oui, je pense aussi. Hein. Et quand même, je t'ai dit, GG, Yachar, d'y avoir pensé. Du coup, j'ai pas tant. J'ai pas tant tilté, mais. Vraiment là-dessus. Bon point. Bon, la danse de la victoire, on va la passer quand même, hein. Puis qu'à un moment donné, on a compris. Mais là, ça veut dire c'est quoi? C'est que la voiture elle a arrêté. Et finalement... Finalement, en gros, le chat s'est pas fait tuer, genre. Ah non, on recule dans le temps, comme ça, on va pouvoir éviter. En gros, c'est ça. Hein. Là, je pense que c'est probablement ça. On va reculer dans le temps, puis en gros... son chat va pas se faire écraser. Waouh. C'est le chat du Jésus. Wow. Il manque qui marche sur l'eau. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Hein. Ok, fait que c'est vraiment dans ce principe-là. Ça veut dire que chaque boss peut se faire battre de trois façons différentes. Et en gros, faut juste trouver vraiment les trois façons qu'il faut battre le boss. Technique, en gros, simple quand on comprend. Mais en gros, plus complexe quand on comprend pas. Donc, on va juste donner de la nourriture à tout le monde. Allez, venez manger, bande de sales bâtards. Qui marche sur l'eau, oui, aussi. Bonne question, il y a combien de monde? Je sais pas exactement. Pour la prochaine story, je le sais pas encore parce qu'il faut que j'aie un certain nombre de trophées. Donc il va falloir que je retourne dans d'autres niveaux avant. Pour pouvoir continuer. On va faire ça dans pas trop longtemps. Juste donner de la nourriture à tout le monde. Juste pour qu'ils grossissent, ils ont juste ça à faire de leur vie. Il y a certains boss que je sais que j'ai pas eu beaucoup de statues, mais il y a certains niveaux aussi que j'ai pas eu beaucoup de statues. Fait que je pense que je vais me concentrer aussi sur les niveaux que j'ai pas fait grand chose. Allez, mangez toute la bouffe que je vous donne. Bande de gros lards. Ça me fait vraiment penser, tu sais, quand t'es dans un parc puis tu lances des miettes de pain, genre aux oiseaux, des trucs comme ça me fait vraiment penser à ça. Genre manger, bande de sales merde. Eh non, c'est pas si des merdes que ça. Les, tu vois, ils sont tous énervés, ils rentrent tous dans le truc, ils sont comme oui. Ok, là, il y en a des gros. Alors là que je vais certains en laisser gros parce que je sais qu'il y a deux trampolines et les deux trampolines peuvent peut-être servir à quelque chose. Ah ouais, lui il y a genre... Il en manque deux. Bam! Quand même, notre tour elle commence à être quand même assez bâtie. 1460 là, on commence quand même à être beaucoup. Vous voyez, en gros il embarque sur les trampolines. J'ai l'impression que quand ils sont gros, je pense qu'il faut que tu leur donnes un certain en particulier pour qu'ils aiment ça en tant que tel. C'est pas exactement très très clair ce que j'ai dit, mais je me comprends. Ah ouais, le monde 3, l'acte 1 et l'acte 2, j'ai rien trouvé. Il y a 228 statues! Ah! Fait que je penserais pas finir le jeu aujourd'hui. Hein.
Donc l'acte 3, acte 3, acte 3. Acte 3, j'ai rien fait dedans. Parce que dans l'acte 1 et l'acte 2, j'ai fait le touriste en gros.